Salut tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Ce sera pour vous faire un tag, donc ce sera le tag ton centre équestre Schleich. Donc je ne sais pas par qui il a été créé par contre, mais j'ai été taguée par Clara Schleich. Donc on va tout de suite commencer avec la première question. Quel est le nom de ton centre équestre? Alors, le nom de mon centre équestre est le Haras des petits fauves. Voilà. Deuxième question, quand a-t-il été créé? Il a été créé il y a un an, donc en 2015. Troisième question, qui est le directeur-directrice? Alors, pour moi, c'est un directeur, donc c'est Julien le directeur, voilà. C'est Julien. Quatrième question, combien y a-t-il de chevaux et poneys? Donc, chevaux et poneys, il y en a 64, et avec les poulains, il y en a 81. Cinquième question, sont-ils plus au pré ou au box? Alors, ils sont... Enfin, ça dépend parce qu'il y en a qui sont toute l'année au box et d'autres toute l'année au pré. Et il y en a, c'est la moitié de l'année au box et l'autre moitié au pré. Donc ça dépend. Sixième question, quelle discipline y pratique-t-on? Y a-t-il une discipline particulière? Alors, bah on pratique du CSO, du dressage, du cross, du Poney Games, de la course, des balades, de l'attelage, du débourrage, du labourage, des randonnées, du cirque, de l'endurance, du travail en liberté, des stages et des passages de galop à 7. Alors oui, on a des disciplines particulières, donc le travail en liberté déjà, qui est une discipline particulière, le cirque, mais bon, il y en a d'autres qui le font, mais tout le monde ne le fait pas. Quoi d'autre? Et on a aussi le labourage. Je sais pas si je l'ai dit, mais on en fait, donc on prête par exemple, je sais pas, par exemple... On va prêter Jurassic. Enfin, prêter. Ils vont nous le. Enfin, ouais, ils vont nous payer pour avoir Jurassic pendant, je sais pas, quelques heures. On n'accepte pas plus de 2 heures parce que ça fait beaucoup après. Donc voilà. Et ils vont tirer des charges ou des trucs comme ça. Vu qu'ils aiment bien ces chevaux-là, bah, ça rend l'utile à l'agréable. Donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est une discipline particulière. Septième question. Y a-t-il un parcours de cross? Non, il n'y a pas de parcours de cross. Pour faire notre cross, ben, on va en extérieur, par exemple. On part en balade et on va trouver des choses et dans une plaine, enfin, genre des obstacles de cross. Et dans une plaine, bah on va aller sauter et des trucs comme ça. Donc c'est ça le cross, on va faire des parcours, mais dans une plaine. 8. Manège, carrière ou autre structure de travail. Alors, on a un manège et un rond-longe. Voilà nos structures de travail. 9e question. Combien y a-t-il de cavaliers voltigeurs? Alors, on a 8 cavaliers et 0 voltigeur. 10e question. Jusqu'à quel niveau peut-on pratiquer l'équitation dans ton centre? Alors, dans mon centre équestre, on peut pratiquer l'équitation de tout niveau. Donc jusqu'au galop 7. Je crois que c'est le galop le plus élevé. 11e question. Combien y a-t-il de moniteurs? Il y en a deux, de toute façon, on a que deux personnes qui s'occupent du centre équestre. Donc le directeur et puis Emily. Ensuite. 12e question. D'autres animaux que des chevaux? Oui, on a 7 chiens, une vache. 3 ânes, un renard, un cochon et 2 moutons. Voilà. 13e question. Y a-t-il des pensions, demi-pensions, propriétaires? Oui, donc oui, il y a des pensions, demi-pensions, propriétaires. Oui, bah, c'est un centre équestre en même temps, je pense que beaucoup de gens le font. Dans ton centre équestre te prend-il beaucoup de place dans la pièce où il se trouve? Désolée, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Voilà, donc oui, il me prend beaucoup de place dans la pièce où il se trouve. Il m'en prend énormément de place.
Voilà. Et 15e question, qui tagues-tu? Donc je tague toutes les personnes qui voudront faire ce tag, mais j'aimerais vraiment, enfin, si Alexandra Costé passe par là, bah je tague surtout toi. Mais sinon je tague tout le monde. Vraiment tout le monde. Voilà, je tague tout le monde. Voilà, et je voulais dire que Alexandra Costé sera absente sur YouTube pendant un bon moment, parce que bah l'appareil avec lequel elle tournait ses vidéos bah est cassé. Donc voilà. Donc je voulais juste vous prévenir. Donc, désolé, c'est un élastique que je tripotais qui a cassé. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bisous!